Mesdames et messieurs, bonsoir. Émission spéciale ce soir sur la taxation. En ce moment, c'est la période où la MRA, la Mauritius Revenue Authority, peut collecter les fiches d'impôts. Donc, si vous voulez payer la taxe, c'est le moment que vous voulez prendre vos fiches d'émoluments ou aussi vous remplir vos EDF Employee Declaration Form. Donc, nous proposons sur tout cela dans nos émissions ce soir, avec nous sur le plateau, deux directeurs de la MRA, Dhanraj Ramdin, directeur des opérations, bonsoir. Bonsoir. Et Champawati Ganu, directeur Medium and Small Taxpayer Department, bonsoir madame. Bonsoir. Actuellement, les Mauriciens peuvent recevoir une fiche d'impôt, une fiche d'émoluments et aussi EDF. Donc, Libo nous rappelle, c'est quoi ces deux fiches? Bon, nous sommes dans une autre chronologie. Aussitôt que le Finance Act est voté, ni fini publié, MRA nous donne un employeur une forme qu'on appelle EDF. EDF, c'est Emolument Employee Deduction Form. Hein? Alors, ça, cette forme-là, c'est une forme que l'employé remplit pour dire à son employeur, mais voilà, moi, je suis entitled pour telle déduction totale faire temps. Mais là, l'employeur, quand il y en a pour computer le montant à PAYE qu'il est capable de déduire dans ce salaire, il prend salaire, il moins ça. Déduction que l'employé réclamait dans ce EDF-là. Une proportion, une 13e, disons, de déduire. Alors, sa forme EDF-là, existe pour communiquer sur l'employeur qui cette déduction était pour l'année courante. C'est-à-dire, si je ne commence là, c'est pour l'année commençant 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. C'est une prévision. Ça, c'est une provisional figure que je donne à l'employé. Mais je deuxièmement, l'employeur lui donne à chaque employé un document qu'on appelle un statement of emoluments. Ça, c'est pour income year. L'année dernière. L'année dernière. 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, l'employeur, le chapitre, c'est qu'on appelle statement of emoluments, là, lui dit ben, quelle quantité salaire fin payé durant l'année écoulée. Donc, tout à l'heure, nous pouvons venir sur l'emoluments. Là, nous cause EDF. Donc, chaque employeur, chaque employé aussi, les bizarres remplissent sa fiche d'émoluments-là, soumettent-les à son employeur. C'est très important. C'est très important parce que si un employé qui touche plus que 23 461, et il n'est pas un exemple employé, et s'il n'est pas filé un EDF avec son employeur, l'employeur, ce qu'il a besoin de faire, il a besoin de retenir 15 % de la taxe l'osso. Salaire. Donc, chaque fin du mois, si l'IPAN remplit l'EDF, à la fin de chaque mois, il coupe 15 % de son salaire. Oui. Donc, c'est très important. C'est très important et qu'il y faille sur l'EDF avec son employeur. Et il y a une limite pour soumettre l'EDF à... Oui, aussitôt qu'il y faille, nous te donne ça et en juillet, août, il finit de commencer. Ben, l'employé, il opère le dernier mois, l'année dernière, sur déduction, pour le mois de juillet. Là, août, je bien soumettre le plus tôt possible si l'employeur est capable de prendre en considération des pour prendre. Mais ça, c'est un exercice, je pense, presque terminé maintenant. C'est un exercice interne à l'entreprise. Chaque entreprise. Chaque entreprise, l'employé et l'employeur. Donc, nous pouvons EDF, Mme Ganou. Donc, quels sont les changements pour cette année? Bon, il y a plusieurs changements. Premièrement, une catégorie 1 ITI, ce qui nous appelle catégorie 1, B, C, D jusqu'à G. Dependent ou bien pas dependent, tout ça. Catégorie A, non dependent. Catégorie B, one dependent. C, two dependent. Okay. D, three dependents. Et ainsi de suite. Le tuin augmente par 5 000 roupies. Et puis, deuxième changement qui est là, pour ben retraité, il y a une catégorie spéciale, catégorie F et G. Donc, pour ça, man retraité là, si longtemps, je peux faire un petit emploi, je peux gagner un salaire, je ne suis pas capable de gagner sa catégorie là. Mais maintenant, si le salaire pas dépasse 50 000 roupies, je peux éligible pour catégorie F ou G. 50 000 roupies par année? 50 000 roupies par année. Par année. C'est parce que c'est un retraité qui est en catégorie F, je gagne 50 000 roupies plus comme en Haïti. Okay. Donc, si je peux faire un travail longtemps, je peux gagner 20 000 roupies par an, je ne suis pas éligible pour cette catégorie-là. Donc, cette fois-ci, nous corrigeons sa anomalie-là. Si je peux gagner jusqu'à 50 000 roupies par an, je peux toujours éligible à sa catégorie F ou G. Et puis, il y a d'autres changements? Et il y en a
un changement au niveau de l'éducation tertiaire. Longtemps, ben, contribuable, tu gagnes 135 000 roupies pour, comme additional exemption pour l'éducation tertiaire. Maintenant, si dependent là peut étudier à l'île Maurice, il peut gagner et se dépense dépasse 135 000, il peut gagner jusqu'à 175 000. Capable de déduire. Il peut déduire jusqu'à 175 000. Et s'il peut étudier à l'étranger, il est capable de déduire 200 000 roupies. Et puis, il y a une déduction concernant le Rainwater Harvesting System, c'est-à-dire si un taxpayer installe un système pour capter de l'eau et de la pluie, filtrer de l'eau. On appelle ça le Rainwater Harvesting System. Les cas gagnent une déduction. Après qu'il ait déduit sur toutes les autres déductions qui sont éligibles, il est capable de déduire son montant qu'il a dépensé pour ce Rainwater Harvesting System. Là. Donc, il y a un peu dans le même esprit que le Solar System, c'est-à-dire installe un panneau solaire chez Ndimoun. Il y a aussi il est éligible à une déduction. Il est toujours maintenu. Exactement. C'est-à-dire, là, il y a un lot dans lequel il est capable de faire une déduction. Et si on dirait ça, ce revenu pas assez pour permettre de prendre sa déduction-là, il est capable de prendre l'année ensuite, comme pour Solar Energy Unit. Un autre changement qui finit, non, c'est concernant le barème de taxes. Tout le monde est... qui ont net income durant l'année, dit moins que 650 000, ce qui fait à peu près 50 000 par mois, de, si un salarié, 50 000 par mois, parce que nous comptons 13e mois, là-dedans comme un mois, les autres pour payer taxes au taux de 10 %. Bonne personne qui ont revenu dépasse 650 000, les autres pour continuer à payer le 15 %, le toujours chargeable income. Et là, il y a une certaine formule qui nous mettait pour que l'employeur, capable d'arriver un employé, ça, moi-là, il gagne moins que 50 000, moi, après, il gagne plus, ça, l'employeur, nous finit d'une instruction de l'employeur, comment il peut calculer le PIE qu'il est bien retenu. Aussi, il y a une mesure concernant les artistes, c'est-à-dire les membres qui enregistrent avec la MASA. Maintenant, il y a un système... forfaitaire pour eux, c'est-à-dire au lieu qu'ils gardent compte, si ils ont revenu, pas de travail pour leur propre compte, de revenu pas dépasse 500 000 roupies par an, au lieu qu'ils ont gardent compte et puis faire un compte pour être qu'ils ont revenu dans la case de payer taxes, et ils sont capables d'adopter ce système forfaitaire là, sur lequel là ils ont déduit la moitié. Comme dépense, c'est-à-dire 250 000 roupies, vous gagnez le droit comme dépense, c'est là que vous payez taxe sur la différence. Donc tout cela, c'est qui concerne IDF. Là, maintenant, nous cause Statement Emoluments pour la taxation, la fiche qui nous vient remplie pour payer la taxe pour cette année. Oui. Et comme j'ai dit au début, tout employeur, d'après la loi, exige que chaque employeur besoin d'un seul employé. Un statement of emoluments concernant les salaires qui sont employés là, percevoir durant l'année financière écoulée, c'est-à-dire là en l'occurrence 30 juin 2018. Ça, c'est une obligation, tout employeur obligé de donner ça. Maintenant, et l'employé là, quand il peut gagner ça, il peut capable de servir ce document là pour lui remplir sa fiche d'impôt. Et comme on connaît, MRE finit déjà à mettre en place un système électronique. E-filing. Et quand l'employeur lui donne à l'employé la statement, mais lui aussi envoie sa même information là à la MRE et que MRE nous finit l'autre ça dans return à l'employé là, c'est-à-dire ce qu'on appelle pre-fill tax return. Donc, il est très facile pour remplir. Oui, très facile. Mais c'est moi pour gagner droit, gagner sa pre-fill tax return là, l'employé besoin de servir son username, son login et son password. Pour être capable d'avoir accès et son return pré-rempli par la MRE. Donc, actuellement, le système est déjà opérationnel? Le système est lancé vendredi dernier. Alors, c'est opérationnel. Donc, si un individu qui paye la télévision ce soir, qui vient remplir sa fiche d'impôt, il est capable de faire ça? Il est capable, oui. Il rentre le www.mre.mi, il rentre sur Tax Portal, il met son login, son password. Il peut gagner accès à e-filing,
Et là, il peut gagner. Si l'employeur finit en envoyer information là, il peut là sur ce fiche d'impôt fini pré-rempli, il peut capable d'éditer, corriger si besoin et il submit. Donc s'il y a la taxe pour payer, il est capable de faire li, à travers la banque, pas nécessaire de déplacer à la MRE. Non, maintenant MRE, ça c'est une bonne pour ma question là, nous revoir nos situations, que nous dire, nous encourage Jimoun pour pas descendre, déranger Vinay Maré ou bien la poste pour poster chèque. Et nous pouvons, moi, M. Jelly, nous dit, Vinay Paperless Office, à ce temps, nous pouvons Vinay Cashless Office, que du monde, pas pour transact, pas en argent ou chèque. D'ailleurs, il y a beaucoup d'administrations fiscales dans le monde qui paient dans la facilité, paient par cash ou chèque. Hein? Là, nous, doucement, nous pouvons aller vers cette direction-là. C'est pourquoi, pour un contribuable, nous recommandons PayPal Direct Debit. C'est-à-dire, quand il finit de remplir sa forme, il a une taxe payable, il paye un rien pour faire, il n'y a pas de nom sur la banque et que son numéro en compte en banque, qui est son numéro, il dit PayPal Direct Debit, la MRE pour faire le nécessaire, pour envoyer sa instruction là, par voie électronique à la banque et la banque pour remettre nous sa montant qui l'employé là, il dit. Et il dit, bon, on va faire ressortir, qui jamais MRE, pas pour envoyer une instruction et pour déduire l'argent un contribuable de sa compte en banque là, excepté que l'employé là lui-même lui fait donner sa instruction là. C'est-à-dire qu'il émane de l'employé, du contribuable plutôt, pour payer sur l'impôt. Donc, si y a un monde qui n'est pas capable de remplir sa fiche d'impôt, la MRE souvent met un centre pour aider la personne pour remplir ce ban fiche. Comme les années précédentes, MRE, cette année-ci, nous pour présent dans un centre FITA habituel. Hein? Centre FITA, là, c'est un centre que pour un officier de la MRE, du monde capable de venir. Capable de venir, nous, un officier, je pour remplir, et de mon employeur à remplir ce fiche d'impôt dans l'emplacement qui nous habitue, dans mon école qui nous habitue. Gratuitement, ça? Ça, les gratuits services, là. Et moi, j'ai déjà dit que cette fois-ci, nous pouvons lancer ce service-là et le 29 et le 30 septembre, c'est-à-dire week-end 29-30 septembre, nous pouvons offrir ce service FITA-là dans ma région Côte-Noire-Métier-Été. Et une nouvelle application que la MRE vient de lancer aussi, c'est MRE Easy. Donc, c'est quoi cette application MRE Easy? MRE Easy, nous l'utilisons depuis quelques temps. Ça, c'était quand MRE, il aussi commence à collecter le pension contribution, hein, pension sécurité sociale, nous commençons à collecter une contribution. Là, nous finançons les. Là, nous ajoutons aussi et le paiement de l'impôt, c'est-à-dire le form income tax, mon employé. Normalement, il a un smartphone. J'ai besoin de finir de download sa application là et MRE Easy. Là, toujours service de login, de password. J'ai pour une forme normale, l'eau en portable ou bien l'eau en tablette, je peux capable de remplir les returns. Donc, l'eau en portable, c'est la nouveauté de cette année, c'est-à-dire l'eau en portable avec l'application MRE Easy, je peux capable de remplir sa fiche d'impôt et puis payer la taxe. Je peux capable aussi payer la taxe, mais tu as dit, il n'y a pas de quotidienneté. Et par exemple, s'il y a une planteur, même dans ce carreau, il y a un accès Internet, il est capable de faire son return là-bas. Et s'il n'est pas capable de payer ce taxe aussi. MRE Easy makes it easier. The Information Systems Department of the Mauritius Revenue Authority pushes it further on the path of breakthrough innovation. This filing season, individual taxpayers may e-file their income tax return and effect payment, if any, via the MRE Easy mobile application. Anytime, anywhere. Already, many employers who have 10 or less than 10 employees and employers of household employees are filing and effecting payment of PAYE and NPF NSF contributions through direct debit. MRE Easy can be downloaded from Google Play Store or App Store. Employers just need an internet connection to log in using their employer registration number and a password. MRE Easy indeed makes it easier. Donc,
Donc, là, nous payons le paiement de la taxe, mais qu'en est-il des CND Moon si la MRE vient refund la personne? Donc, cela va se faire rapidement? Oui. Effectivement, quand une personne remplit ce return, ça débouche sur un remboursement, une demande de remboursement. Et là, nous pouvons dire à un contribuable qui, si vous êtes de nous êtes compte en banque, là nous pouvons donner priorité à une personne qui de nous êtes compte en banque, nous pouvons gagner un refund dans les 48 heures. Mais il faut dire qu'ils sont de nous êtes compte en banque. Autrement, les peuples plus tardés. Et nous pouvons dire que l'année dernière, nous avons remboursé à peu près 87% de remboursement si nous faisons dans les 10 jours. Mais il y a une perception peut-être qui refund. Prend la taxe, paye la taxe, facile, mais pour les refunds là, un peu difficile, la MRE. Ben exactement. Si un contribuable de nous est compte en banque, comment on peut dire, nous pouvons faire de sorte que dans les 48 heures, vous avez gain de refund. Mais si vous n'êtes pas de nous est compte en banque, là, il peut prendre un peu plus de temps. Quand un MRE effectue un remboursement, nous avons auparavant envoyé un chèque. Chèque-là, il est toujours un chèque barré. Là, quand le contribuable a gagné son remboursement, il a besoin de trouver un jour, il a besoin de déranger la banque et il est obligé de verser ce chèque-là dans son compte en banque. Et maintenant, nous, ce qui nous peut dire l'employé, pas besoin de gagner tout ce tracas-là, n'est que de nous en banque, nous travaillons avec la Banque de Maurice, l'instruction-là, pour sortir de notre système computer, l'argent-là pour aller direct dans son compte en banque. Alors, je n'ai pas trouvé un système plus facile que ça. J'espère qu'il y ait une bonne partie, la majorité de nous comme contribuables, j'adhère à ce système de crédit, refund by credit to bank account, pour un système qui peut marcher à merveille. D'ailleurs, pour Getly, tout petit travailleur qui est entitled to negative income tax ou bien special allowance, ça veut dire que je la paye moins que 9 900, je suis entitled to ça m'a dit que peut gagner tout l'argent par direct crédit to their bank account. Nous pouvons envoyer l'argent là, nous ne pouvons pas envoyer chèque. Alors, moi, je peux faire une requête à tout le monde contribuable à nous adopter ce système-là pour qu'il nous ait une administration moderne et pour qu'il nous capable, comment dire, ce remboursement-là, au lieu que mon paiement d'œuvre, mon imprimer un chèque, mon faire signer, mon mettre dans l'enveloppe, moi le dépose à la poste, facteur prend 2 semaines ou 1 semaine pour venir quitter que tout. Ou pour besoin de la banque. Ici, dans l'espace quelques heures, l'argent-là peut être crédité dans un compte en banque. C'est ce qui nous peut dire, dans 48 heures, nous pouvons donner notre remboursement. Si un contribuable, vous êtes coopéré avec nous. Donc, au niveau du remboursement, c'est-à-dire tout le monde qui est éligible, qui gagne un remboursement, c'est un monde qui n'est pas supposé gagner un remboursement, il gagne un remboursement. Donc, au niveau de la MRE, comment vous faites? Bon, effectivement, nous avons un système pour assurer qu'il y a un remboursement. Quand nous faisons un remboursement, on appelle ça remboursement automatique. Donc, il dépend certains critères. Mais si jamais il fait un remboursement, une personne demande, par exemple, une déduction à laquelle il passe un droit, nous avons jusqu'à 3 ans pour nous examiner le return. Là, et là, nous pouvons réclamer ça. Remboursement qui nous fait là. Donc, c'est très important qu'il y ait un contribuable remplisse le return, c'est assuré qu'il remplisse le return correctement pour qu'après, il n'y ait pas besoin d'une réclamation quand il finit remboursé. Yeah. Laisse-moi ajouter encore un petit bout là-dedans. Nous, à ce moment-là, nous avons un return pre-fill. Et nous pre-fillons un return quand un employeur donne nous information. Mettons qu'il y a un employé, il y en a 2 employeurs. C'est-à-dire, nous avons live le 24. Si l'employé là, il finit de nous renseignements là, nous upload ça pour un employé A, il donne nous information, nous upload lui. L'employé B, pas encore de nous, lui vient de nous maintenant. Nous pour préfiler nous pour reprendre cette information, nous mettre là-bas. Mais si entre l'employé peut remplir sa forme. L'infini gagne ce statement of emoluments, il est bien capable de corriger, de faire cette déclaration correctement. Il connaît, il peut travailler des places, il est bien inclure tout ce salaire. Alors, ce prix-fil, comme Mme Ganou peut dire, pas juste déduction, il est bien aussi assuré qu'il peut déclarer tout ce revenu. À ce si maintenant, il n'est pas fini de déclarer ça. Le système, quand il fait matching, il est qui est un employé, il est déclaré dans son return.
et qui est information nous gagnons par l'employeur, automatiquement les put chain assessment avec ce pénalité l'intérêt, c'est-à-dire l'employeur pas retrouver payer plus qu'il est supposé payer en fin de compte. Donc ça les concerne l'income tax au niveau de la TVA, madame Gadou, qui changement est dans cette année? Le changement le plus important concerne TVA à l'importation pour une personne enregistrée qui importe un équipement. D'après le système actuel, quand une personne importe un produit, il paye la taxe et puis il prend comme crédit dans son return. Et s'il importe un équipement et qu'il se input tax dépasse son output tax, il y a un excédent de plus de 100 000 roupies, là, il demande un remboursement. Mais avec le système qui avec l'amendement qui est là, maintenant, au lieu que vous payez taxe à l'importation, vous pouvez et appeler ça « deferred payment », c'est-à-dire que vous ne payez pas à l'importation. Et là, vous déclarez le return comme « output tax ». Ça veut dire que vous avez besoin de payer à l'importation, là, vous pouvez déclarer comme « output tax » le return. Donc, vous n'êtes pas pour, dans ce cas-là, vous avez déclaré comme « output tax », vous êtes pour matcher avec votre input tax, vous n'êtes pas pour vous faire aucune demande de remboursement. Donc, de ce fait, vous n'avez pas besoin de payer à la douane et vous n'avez pas besoin de faire une demande de remboursement. Vous avez un cash flow, une registered person, et la MRE aussi, pas besoin de processer une demande de remboursement. Ça, c'est un changement important qui prend effet à partir du 1er octobre 2018. Tout au long de l'émission, nous pouvons cause la taxation. Il y a un peu compliqué, il y a un peu technique, mais il concerne tous les Mauriciens. Le paiement de la taxe est capable d'être douloureux pour beaucoup d'entre nous. Donc, à quoi sert ça l'argent qu'il a aimé récolter là, M. Ramdine? Écoutez, tout ce qui nous collectait aimé, nous remet ça le même jour dans la caisse gouvernement. Et ça l'argent-là, il servit pour toutes les dépenses publiques. Ça veut dire que construction, nous pouvons trouver beaucoup la route préférée en ce moment-ci. Les finances ça, les finances la santé gratuite, les finances l'éducation gratuite, les finances transport, les finances tout ce qui appelle man dépense l'État. Alors ça, les retourne vers man citoyen. Ça veut dire quand moi paye taxe, moi quitte ça au gouvernement, gouvernement fait man dépense commune. Qui moi aussi moi hérite, c'est-à-dire si moi j'ai un auto, moi peux servir la route là. Si moi malade, moi peux gagner en termes de traitement médical. Alors c'est un quand moi payé, il pourrait retourner vers moi après. Mais ce qui est plus important, tout du monde contribue d'après autres moyens à sa dépense commune là pour le bien de tout le monde. Mais M. Ramdine, tous les Mauriciens payent la taxe? Non, tout Mauricien pas paye taxe. Tout dépend du monde qui sont revenus était. Nous avons du monde qui sont ce qu'on appelle une exempt person, c'est-à-dire qu'ils sont revenus pas dépasse 23 461 par mois. Ça va du monde là, je suis exempté, je ne pas payer taxe. Comme nous connaissons à Maurice, nous avons une grosse déduction qui nous donnait 300 000 points, 305 000 cette année-ci pour n'importe qui contribuable. Les gains 110 000 pour son ex-dependent. Alors, li comme ça, il y a allé. Pas tout du monde qui payait, tout dépend de votre revenu, mais tout du monde qui est revenu dépasse une certaine seuil, est revenu dépasse votre AIT ou votre déduction que vous gagnez droit, vous payez votre income tax. Mais nous trouvons qu'il y a énorme dans tout système, parfois, énorme brebis galeuses. Donc, tout Mauricien qui est éligible, est-ce qu'ils payent la taxe? Comment au niveau de la MRE, vous faire pour qu'ils connaissent si un monde peut payer, pas peut payer? Le monde peut évoluer, l'information à niveau qui nous allait. Nous finissons qu'on est qui s'en a, qui revenu, qui source revenu, il y a non, et qui a une transaction qu'il peut faire. C'est-à-dire que tout ça, l'information-là, nous vient dans nos data banks. Nous finissons de trouver et nous finissons créer une obligation pour ça du monde-là de soumettre une fiche d'impôt. Maintenant, s'il n'est pas soumettre son fiche d'impôt, automatiquement, le système, le computer même, il génère un reminder. Li envoyé, li dit ou pas fin faire ou return. Maintenant, si ça du monde là, li pas soumettre même ce return, nous avons que madame Ganou une autre section
qui nous appelle dit automatic tax claim. Veut dire que système égalité c'est pas ou un commerçant ou peut travailler dans tel secteur, mais en average ban du monde dans ce secteur là je déclare tant revenu. Liem li compute li envoie ou chose déjà ou ben là ou c'est payé tel montant. Exo la man exo l'intérêt. Peut-être que besoin ajouter, c'est au niveau de la MAE, nous promouvons beaucoup ce qu'ils appellent voluntary compliance, c'est-à-dire nous faire beaucoup d'efforts pour éduquer les gens pour qu'ils eux-mêmes remplissent cette obligation fiscale volontairement. Mais si quand ils finissent de soumettre leur return, comme M. Ramzine l'expliquait, nous avons un système pour faire le matching d'information qui est là avec le return. Et si nous trouvons la personne sur return et il paraît qu'il n'est pas déclaré revenu, qu'il est bien déclaré, là nous avons une section l'audit qui choisit sa banque là pour faire pour examiner sa banque là, faire ban l'audit. Et quand nous faisons sa banque l'audit là, bien sûr, tu as une taxe qui nous trouvait, qui n'est pas déclaré, nous réclamons ça avec pénalité et l'intérêt. Maintenant, si vous faites comme l'année dernière, c'est si vous pouvez nous bilan, c'est une tierbane réclamation de l'ordre de plus de 7, à peu près de 7 milliards de roupies de réclamation, c'est-à-dire une taxe qui n'est pas déclarée. Donc, une taxe payeur nous fait un appel d'ailleurs à une taxe payeur pour qu'ils aient. Soumettre mon return correct pour qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin énormément de tracasserie au niveau de l'audit que nous avons besoin. Vous êtes pour besoin de justifier le bon chiffre qu'ils ont déclaré. Non, mais il est facile de contrôler le secteur formel, le gens qui gagnent ce salaire, mais le secteur informel, que ne connaît pas combien d'argent un gens peut gagner, par exemple, une profession libérale. Ça, comment vous faites au niveau de la MRI? Ben, comme on m'a dit, c'est que nous avons un système de vérification. Nous avons l'information d'une personne qui, si elle travaille, elle peut bien dépenser. Elle n'est pas pour tant qu'elle disons qu'elle n'est pas déclaré ce revenu. Qu'elle peut faire avec ça? Elle n'est pas pour garder éternellement dans ce coffre, dans la case. Elle peut bien dépenser. Donc, quand il peut dépenser un revenu, il peut gagner un renseignement, il peut partir, il peut à l'hôtel, il peut... Ça aussi, vous le connaissez? Bien sûr, nous avons tout ça un renseignement. Maintenant, surtout avec la technologie, nous avons une masse d'informations. Et quand nous processons ces informations, tout ça permet de nous qu'un train de vie d'une personne et que nous arrivons à une estimation de cette revenu, bien sûr. Et si je n'ai pas déclaré cette revenu, là, nous, d'après ce qui nous pour estimer, d'après renseignement qui nous est là, combien je donc récemment, de l'actualité, je trouvais une famille, il y en a plus que 50 millions à la maison. Donc, au niveau de la MRE, comment je vais faire pour connaître qui le Mauricien est dans la maison, s'il peut payer de l'argent, ou bien peut servir, ou bien. Comme on dit, quand je peux tirer ça, l'argent là, par exemple, je peux partir, je peux amener ça, l'argent là. Donc, c'est bizarre. Déclaré et quand vous n'êtes pas déclaré ça l'argent là au niveau de la douane et qu'à la douane vous trouvez qu'il est dans l'argent qui n'est pas déclaré. Donc, ça l'information là, nous servons à l'information là pour qu'AVE et trouve, estime ce revenu. Mais le système d'information, malheureusement, à l'île Maurice, nous avons encore une certaine. Limitation, mais de jour en jour, Motolib est enlevé dans ce qui concerne la collecte d'informations. À ce sujet-là, tout le money changer dans la banque, ou pour cause de visite étrangère, sa personne n'a pas. Maintenant, à partir de cette année-ci, là, nous commençons à gagner ce money changer là, ou la banque, je t'envoie nous pour dire nous, ben, voilà, un tel inasté tant de devises pour tel montant, combien de devises, combien de choses de piasté. Nous pouvons gagner ça, nous pouvons gagner tout le monde intérêt payer la banque, l'assurance. Nous pouvons collecter, mais là, nous pouvons faire par un système vraiment électronique, un système informatique que nous connaissons un peu, il est assez robuste. Nous appelons ce qui nous appelle une data bank. Et ça, il est capable de faire matching là. On a un bien, on a un loto, ou pas il n'y a aucun forming comme taxe, ou pas payer taxe, ou pas payer déclarer ou revenu. Automatiquement, il peut tirer sa caisse là pour être examiné.
Donc, une autre bonne nouvelle pour la MRE peut-être, mais pas qu'on n'est pas les pour ban contribuables. La MRE fait une récompense au niveau de l'Afrique, ce ban meilleur collecteur d'impôts. Oui, au niveau ease of doing business, et nous améliorer, nous sommes 45e position, nous sortis, nous finissons dans le gym top dans le monde. Dans le monde. Au niveau d'Afrique, nous premiers, et ça devine beaucoup plus par l'innovation qui nous a menés. En ce qui concerne ease of paying taxes, Maurice, les premiers en Afrique. Et nous continuons à améliorer d'année en année. Il n'est pas juste concerné ease of paying, mais qui assure qu'il nous ait un système fiable de collecte d'impôts à l'île Maurice. Et là, ce que Mme Ganouchi peut dire, que le voluntary compliance est très important. Que tout citoyen paye le montant d'impôts qu'il veut bien payer volontairement, je fais une déclaration, je paye. Pour qui ça, l'autre type de sécurité dire là, pour venir avec une mesure enforcement action, l'audit, ça diminue au minimum. Donc, au niveau de la MRE, c'est aussi promouvoir un partenariat avec ban SMI, ban entreprise, ban petite et moyenne entreprise. Et oui, bien sûr, c'est toujours dans le contexte de promouvoir le voluntary compliance, parce que et ben SMI, je suis conscient que quand je ne pas qu'une ban peut-être et dans des fois je trouve la loi là trop compliquée, je ne pas applique ben la loi correctement et après l'étant de faire le dit, ne trouver qui je ne pas ne payer taxes correctement, je disais à ce moment-là débourse ban gros montant quand nous tient ban assessment. Donc ce qui nous fait, c'est qui nous pays rentre en partenariat avec toute une association qui occupe une petite et moyenne entreprise pour donner autant d'informations que possible à mon SMI pour permettre de comprendre le système de taxes, parce que la taxe quand même il y a une partie importante de un business, donc je dois comprendre comment la taxe marche, qui est une facilité de gagner sur différentes législations et qui est une obligation qui se tient. Donc ça, quand vous êtes une obligation, c'est sûr qu'ils n'êtes pas pour faire remplir votre devoir fiscal. Vous n'êtes pas pour à ce moment-là, vous n'êtes pas pour plus tard, vous n'êtes pas pour bien payer une réclamation fiscale. Et brièvement, tu peux causer un changement dans la TVA. Tu en as quelques changements que tu peux souhaiter causer? Il y a aussi certaines exemptions qu'une Finance Act 2018 a apporté. Nous en a une exemption qui concerne ban contractuel main d'œuvre. Ban contracteur main d'œuvre, c'est typiquement enregistré à la TVA si ce chiffre d'affaires dépasse 6 millions de roupies par an. Maintenant, ce service-là, il vient un service exempté, ce qui fait qu'il n'est pas besoin d'enregistrer. Donc, sa catégorie de personnes-là, c'est difficile pour être opère le système TVA. Maintenant, avec cette exemption-là, je n'ai pas besoin d'être enregistré opère le système TVA. Donc, avant de terminer, nous rappelle que tous les Mauriciens bizarres remplissent votre fiche d'impôt. Donc, les dates, M. Ramdin? Et les dates, normalement, le 30 septembre, mais cette année-ci, 30 septembre, est domaine dimanche. Alors, date butoir et fiche d'impôt est pour le 1er octobre. Et nous prenons une extension comme ça, prévue dans la loi. Si vous pouvez remplir vos formes par voie électronique et vous pouvez payer par voie électronique, vous pouvez jusqu'au 15 octobre pour soumettre sa fiche d'impôt là. Nous rappelle le site de la MRE? www.mra.mu. Donc, Mme Ganou Finjenou, remboursement pour Mandimoun qui est éligible va se faire dans les 48 heures. Si je soumets ce compte bancaire. Et si Ndjibouni n'a complète, pas trop d'accord, le montant qu'il peut réclamer? Et réclame-lui le sophiste d'impôt ou bien le sophiste d'impôt? Non, mais ça, bien peut remplir. S'il n'est pas, c'est d'accord avec lui, il veut dire qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas comprend dans son fiche d'impôt. Et là, il est capable de téléphoner à MRE pour gagner un renseignement 207-70. Pour un renseignement additionnel pour être capable de remplir sa forme correctement. Donc, avant de terminer, Mme Ganou? Ben, justement, pour faire un appel à ban contribuable, vous êtes, quand vous soumettez votre return,
submit the return correctement, comme ça, même quand si j'étais un remboursement, le remboursement va être fait dans les plus brefs délais. Et que si jamais nous demandons un bon renseignement, vous avez tout un bon renseignement concernant la déduction qu'ils ont pris pour être capable de justifier une bonne déduction. Donc, avant de terminer, M. Ramdine, un autre personnel, vous finissez de remplir vos fiches d'impôt? Moi, pour être honnête, non, pas encore. Moi, je vous payez la taxe? Nous pas gagné droit comme un officier ou comme un directeur de la MRE. Un sous-IRN, nous pas gagné droit. Un discount? Mais pareil, comme tout le monde. Non, mais formulaire est automatique, ça. Mon fiche finit remplie là-bas. Déjà, moi, il est revenu d'une seule source. Alors, mon forme est déjà pré-rempli. Et d'après l'autre, c'est-à-dire, mon paiement pour payer, ni mon remboursement, parce que tout calculé correctement, l'impôt déduit. Et moi, je voudrais ajouter une affaire. Si un employé finit, une personne finit remplir son fiche d'impôt, il trouve son remboursement pas pu venir, il est toujours capable de rendre le portal, de mettre son login, son password, d'éditer son profil. Il donne son compte en banque. Mais même s'il est fini remplir son forme, il donne son compte en banque, il est capable de retourner là, il donne son compte en banque, et marrer pour crédit son compte, pour qu'il n'ait pas besoin d'attendre 3 mois pour gagner son remboursement. Et donc, sur ce, l'émission prend fin ici. Nous rappelle le numéro de téléphone de la MRE, un numéro si vous avez besoin de renseignements. Le 207-6010. Et Libo nous dit à la date limite, vous pourrez rappeler encore une fois pour les Mauriciens. Cette année-ci, moi j'ai dit pour le 1er octobre. Donc sur ce, mesdames, messieurs, nous expliquons sur la taxation, les nouvelles mesures qui concernent la taxation, mais aussi quand on peut remplir vos fiches d'impôt, quelles sont les procédures qui vous besoin faire. Donc nous remercions nos invités. Ce soir, nous tenons M. Dan Raj Ramdine, directeur de la MRE, et Champawati Ganou, qui est aussi directrice Medium and Small Taxpayer Department. Donc mesdames, messieurs, mouvement se prend fin ici. Bonsoir.